Sénateur Wesnia Polycarp, membre commission spéciale qui t'a mené enquête sous le mort juge là, déclaré pas gain aucun recours qui a fait contre façon vote là déroulé. Parlementaire invité proche pouvoir cap tenté contester vote là, réfléchit tout sous vote qui voulait jeter projet budget là, sans majorité sénateur qui était présent dans séance là, pas appuyer décision ça. Même Jean à collègue Lee Steven Benoît, Wesnia Polycarp souligné pour qu'on y a dossier pas dans mes sénat encore. Il était parlé comme ça dans micro Eddie Jackson Alexis à Colin Ildoreste. Sans quelle question de définition de ça ou les majorités des deux tiers, majorité relative, majorité absolue, majorité simple. Il paraît que les gens qui font des déclarations par rapport à l'illégalité éventuelle de vote là, c'est probablement qu'à confondre définition entre majorité absolue et majorité simple. C'est majorité absolue qui dit que c'est moitié plus 1. La majorité simple, d'habitude, c'est votre plan, c'est par rapport avec qui de oui ou de non, de pour de contre qui remporte plus de suffrage. C'est seulement ça. Au regard du règlement interne des chambres, qui ça dit en cas où il y a un rapport, une commission spéciale? Non, ça le dit, c'est que on parle de par rapport avec votre qui fait hier là. Mais c'est simple, c'est que il y a 7 sénateurs qui votent en faveur du rapport là. Il y a 0 qui contre, il y a 9 qui exprimaient ni pour ni contre. Donc par conséquent, il est passé. Alors, Mabdou, moi, je tape suivre et intervention certains collègues, anciens collègues. Mais eux-mêmes, qui ont été interprétés, leur dit, il n'est pas correct. Mais ça n'est pas suffisant. On garde le deuxième vote là qui est fait là. Vote sur le budget, il est correct ou il n'est pas correct le deuxième vote là. C'était même gens, c'était 7 sénateurs qui étaient votés contre. Et rapport sur le budget, il y a 6 qui votent pour, ou quoi, il y a 2-3 abstentions. Mais il y a ça. Mais est-ce que même 4 figures? C'est exactement le même scénario. Bon, Marie-Dou, c'est exactement le même scénario. Ça se passe, il y a une majorité de sénateurs qui votent contre. C'est 7 liés, il n'y a pas 9. C'est exactement le même scénario. Parce que. Ancien collègue qui était intervenu dit que pour être valable, il faut être à 9. Tenant compte de 16, moitié de 16, 8 plus 1. Mais non, c'est 7. Il est d'accord, dans la même réflexion, il est d'accord que d'abord, ce budget a été rejeté. Sénateur Latour, tu dis ça que fait là, il est nul et non avenu. À votre avis, le débat est clos, sénateur? Non, nul et non avenu à partir de qui réflexion? Parce que nous apprenons que après votre plan, nous faisons le devoir, nous transmettons les bails chambre des députés qui avaient fait suite que de droit. Donc nous ne parlons pas qui procédure, les bails nuls et non avenus. Sénateur, qui sait le règlement intérieur Sénat? Est-ce qu'il y a possibilité pour l'Assemblée à retourner sur ce vote-là? Bon, à mon avis, moi je pense que c'est une page qui est déjà tournée. Donc qu'on y a là, c'est vote sur la loi électorale que nous allons faire là. C'est ça qui est important pour nous, avec une loi que nous allons déposer là sur fortification en micro, fortification des aliments en micronutriments. C'est ça que nous allons faire là.